Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendre radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh. Moi t'attendre une annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Job, chapitre 16. Réponse de Job à Eliphaz. Job prit la parole et dit: j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air, pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais mes lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il graisse des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai conçu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec mes larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au fils de l'homme contre ses amis?
car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Osée chapitre 1. Idolâtrie et corruption d'Israël. Châtiment et retour en grâce. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je n'aurai plus de pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par là, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra le Rukama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Osée chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jizréel. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Rukama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants. » qui me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les attendra
et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon moût dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses cises et ses figuiers dont elle disait. C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moût et l'huile et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'or rucama dans le pays. Et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.